bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous nous retrouvons encore une fois pour continuer cette série de vidéos des 5 ans de la chaîne qui sera un hommage à la G4 de My Little Pony. Et après les meilleurs épisodes et les meilleures chansons, nous passons aujourd'hui aux meilleurs personnages secondaires de toute la série. Et de toute la série, je parle de la série télévisée et aussi des films meilleures séries, bien sûr. Alors j'ai bien précisé personnages secondaires parce que évidemment je ne vais pas parler de tous nos personnages principaux, hein. Bien évidemment le main 6, 7 avec Spike, 8 avec Starlight et 9 avec Sunset Shimmer dans les films et dans la série, évidemment eux je les compte pas. Parce que je trouve ça plus intéressant de parler des persos secondaires. Et puis si vous voulez savoir quel est mon personnage principal préféré parmi tous, et bah c'est Twilight. Voilà, hein. Voilà, Twilight Sparkle, le personnage principal de la série, c'est mon personnage préféré, quoi. Je l'adore, malgré tous ces tics et tous ces petits coups de folie, c'est vraiment mon personnage préféré. Et en deuxième, ce serait Sunset. Sunset Shimmer, hein, même si elle est que dans les séries et dans les films, on a confirmé que elle était canon, hein, comme le film qui est sorti au cinéma. Donc ça compte, voilà. Et après, au final, en fait, j'aime bien tous les personnages, en fait. Hein. Fluttershy, Rarity, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, je les aime tous, en fait. Hein. Peut-être Spike, un petit peu en dessous, peut-être que Spike, je le mettrais pas au même niveau que les autres, mais en vrai, je les aime tous, et Twilight, c'est vraiment ma préférée. Et puis déjà, je vais aussi exclure les chercheuses de talent, hein, puisque c'est des personnages principaux de la série. Hein. À chaque saison, elles ont toujours un ou deux épisodes qui sont entièrement consacrés sur elles et aux chercheuses de talent, donc... C'est des personnages principaux, quoi. Même Starlight, depuis le début de la saison 6, c'est vraiment devenu un des personnages principaux et elle a eu, elle aussi, des épisodes entiers qui sont consacrés uniquement à elle, sans les autres personnages, donc elle aussi, c'est un personnage principal. Et les deux sœurs, évidemment, Celestia et Luna, c'est... Elle aussi, je pense qu'on peut pas vraiment dire que c'est des personnages secondaires, quoi. Vraiment, à quel point elles ont une importance dans la série. Elles aussi, elles ont des épisodes consacrés entiers à elle, hein, dans la saison 7, dans la saison 9, donc... Elle aussi, c'est pas des personnages secondaires, c'est des personnages principaux. Et on exclut aussi les jeunes 6, The Young 6, comme ils le disent en anglais, c'est les 6 nouveaux personnages principaux qu'on a eu depuis la saison 8, avec l'école de l'amitié. Aussi, vu l'importance qu'ils prennent, et vu aussi qu'ils ont plein d'épisodes qui sont consacrés uniquement à eux sur E6, je pense qu'on peut vraiment les qualifier de... vraiment, ils sont vraiment devenus des personnages principaux et pas seulement secondaires, donc eux aussi, je les compterai pas dans ce top. Et voilà, sans plus attendre, on va tout de suite commencer le top 10 de mes personnages secondaires préférés de My Little Pony. Et ouais, Moon Dancer. Personnage le plus sous-exploité de toute la série. Mais vraiment, hein, parce que ce personnage, en fait, on le voit vraiment qu'une seule fois dans un épisode de la saison 6, et après, elle fait... de la saison 5, pardon. Et bien après, elle fait aussi un caméo à la fin de la saison 5 lors du discours de Twilight, et un caméo aussi à la fin, dans les derniers épisodes de la saison 9. Et vraiment, j'aimais beaucoup ce personnage dans l'épisode qui lui était consacré. J'aimais bien son design, sa personnalité et tout, son histoire et... sa relation avec Twilight, c'était vraiment très très intéressant. Je trouve ça vraiment super dommage qu'on l'ait pas vu plus que ça dans toute la série. Elle aurait pu revenir même juste comme personnage récurrent ou comme elle aurait pu venir les codes de l'amitié enseigner 2-3 trucs. C'était, je trouvais vraiment ce personnage génial et vraiment ça me... Vraiment, je suis limite énervé qu'en fait, que Hasbro n'ait pas profité un peu plus d'elle, quoi. Parce que, en façon de parler évidemment, parce que c'était... Elle est vraiment géniale, quoi. Mais on l'aura vu qu'une seule fois. Enfin que 3 fois plus les caméos, mais c'est vraiment super dommage qu'on l'ait pas vu plus que ça, parce que à mon avis, elle aurait pu vraiment avoir un rôle un peu plus important dans la série. Voilà, c'était assez rapide, donc on va tout de suite passer au numéro 9. Tu découvriras vite qu'il est difficile de faire des cascades écrabouillantes quand on est plâtré des ailes aux sabots et obligé de boire avec une paille. Spitfire, la chef des Wonderbolts, enfin l'ancienne depuis la fin de la saison 9. Personnage que j'aime beaucoup et personnage qui est déjà un peu plus récurrent de la série puisque c'est la chef des Wonderbolts et donc on la voit
on la voit très très souvent. Hein. La première fois, évidemment, c'est dans la saison 1 au Grand Gala Équestre, et depuis, c'est vraiment une habituée de la série. Hein. Même avant que Rainbow Dash aille à l'Académie des Wonderbolts, on la voyait déjà une ou deux, trois fois. Elle est vraiment super classe, quoi. J'adore son design jaune avec les cheveux orangés, orange en forme de flamme et tout. C'est vraiment très bien et elle joue très bien aussi. Elle est vraiment très bien en son rôle de chef des Wonderbolts, autoritaire, qui crie tout le temps. Et son pétage de câble dans la saison 8 où elle hurle sur Scootaloo, c'était... Alors, j'en avais fait une réaction de cet épisode aussi qui avait bien marché, qui était très bien aussi, donc voilà. Voilà, Spitfire, un personnage très bien trouvé que j'aimais bien. Et maintenant, on passe au numéro 8, et ça va déjà être tout de suite un peu plus intéressant, parce qu'il s'agit de... Et ouais, un des poneys figurants, les background ponies comme on les appelle. Personnages qui sont évidemment très très populaires dans le fandom Bourney, puisque ce sont des personnages justement figurants que les animateurs mettent pour faire de la foule quand il doit y avoir de la foule dans un épisode, et qui sont tout le temps là, tout le temps, qui se font très souvent remarquer. Il y en a plein d'autres, hein, les voilà tous. Et celle-là, Derpy, c'est une de mes préférées. Et c'est aussi une des préférées du fandom. Parce que, bah déjà d'ailleurs, petite histoire, c'est d'ailleurs l'une des premières, c'est la première, je crois, ponette figurante qui a été créée, qui vient du tout premier épisode, en plus, qui a été créée par les fans, qui lui ont donné un nom. Et puis après, c'est la série Hasbro, pour répondre aux fans, qui a continué à la mettre tout au long de la série. Puis après, ils lui ont donné une voix, ils lui ont même donné le même travail que le fandom l'avait donné, à savoir celui de factière ou postière, je sais pas vraiment comment on dit. Et après, on l'a revu tout le temps, on l'a même vu dans les films Equestria Girls, notamment à la fin du premier Equestria Girls, dans le générique de fin, et bah elle est là. Et puis oui, c'est un personnage secondaire, mais oui, je l'aime beaucoup, parce que, bah, comme tous les autres Brownies, bah je trouve qu'elle est très mignonne, avec ses yeux qui louchent, c'est un très bon personnage, elle est attachante, et même si elle est figurante, bah... Voilà quoi, elle fait vraiment partie du fandom, puisque bah on peut dire vraiment que c'est le fandom qui l'a créé, mais pour de vrai. Et vraiment une de ses meilleures prestations, évidemment, c'est dans l'épisode 100 de My Little Pony, dans la saison 5. C'est l'œuvre de ma vie, des décennies et même des siècles d'expérience plus ou moins réussies, et j'ai trouvé la solution. Mais il y a tellement de choses que la magie n'est pas capable d'expliquer. J'ai mis la date d'aujourd'hui au lieu de celle de demain. Et concernant les autres background ponies, bon bah, déjà il y en a un autre qui arrive, voilà. Voilà, bon, déjà petit spoil. Et puis après, pour les autres, je trouve aussi très sympa quand même, hein, Octavia Melody, qui est, ouais, je trouve aussi très sympa. Même, comme j'ai dit, tous les autres, hein, Lyra, Bonbon, Dr. Hooves, évidemment, que j'adore parce que c'est une référence directe au 10e Docteur de la série Doctor Who, qui est déjà une de mes séries préférées de tous les temps. Et donc déjà, My Little Pony qui fait référence à une de mes séries préférées, bah c'est génial. Et donc évidemment que j'allais adorer ce personnage. Mais en plus, c'est une référence au docteur, à mon docteur préféré, à savoir David Tennant. Qu'en pensez-vous, docteur, hein? Est-ce que vous auriez une idée? Disons, c'est basiquement une sorte de... Aucune idée. Rien du tout? Je ne suis pas qualifié dans cette partie, je n'ai jamais vu de système de ce genre. Oh, mais quelle horreur! Vous avez une main. Une main là-dedans. Une main dans votre sac, dans un bocal. Mais c'est ma main que vous avez? J'ai dit que j'avais un détecteur de docteur. Et il vous en est repoussé une autre. Oui, c'est ça. Hello! La véritable magie repose sur la science et les mathématiques. C'est quoi ça? Je les trouve très mignons. Ah, ça, ce sont mes feux d'artifice sans flamme. Je n'ai jamais réussi à les faire exploser. Mais au fait, comment as-tu appris à fabriquer toutes ces choses-là? Donc là, c'était sûr, évidemment, que j'allais aussi adorer ce personnage, mais pas autant quand même que l'autre qui arrive en numéro 7. Vinyl Scratch ou DJ Pantry,
au choix. L'histoire autour de son nom aussi est un peu particulière, puisque au final, les gens, enfin les animateurs d'Hasbro savaient pas si on devait l'appeler DigiPantry ou Vinnie Scratch. Et donc après, à un moment, je crois en 2013 ou en 2014, ils ont fait un sondage pour savoir comment on allait l'appeler, et c'est DigiPantry qui a gagné. Et donc c'est pour ça que maintenant, après, même au final dans la version française, on le voit, on l'appelle DigiPantry. D'après ce qu'on m'a dit, DigiPantry a une résidence juste à côté de la discothèque. Mais la sécurité ne veut pas que je lui parle. Parce que si ça devait ne pas marcher pour je ne sais quelle raison, je pourrais te présenter à mon ami. Non. Tu aimes la musique, n'est-ce pas? DigiPantry ferait l'ami idéal pour le dîner ô combien crucial de ce soir avec Princesse Celestia. Même si, personnellement, je préfère de loin le prénom Vinyl Scratch. Parce que vous savez, Vinyl Scratch, c'est le truc là que font les DJ quand ils scratchent justement leur vinyle. Voilà, c'est ça, c'est pour ça Vinyl Scratch. Personnellement, je préfère beaucoup plus son nom Vinyl Scratch. Donc c'est pour ça que je m'amuse à dire que son vrai nom c'est Vinyl Scratch et que DigiPantry c'est son pseudo, c'est son nom de scène. Comme ça, je garde les deux. Mais voilà, enfin, j'accepte que ce soit DigiPantry, mais je trouve quand même que Vinyl Scratch c'est quand même beaucoup plus stylé comme prénom. Et donc elle aussi c'est une des un des background ponies très emblématiques aussi. Emblématique déjà parce que elle ne parle pas. Elle ne dit pas un mot de toute la série My Little Pony, mais contrairement à même Octavia ou Lyra et Bonbon, même dans l'épisode 100, elle ne dit pas un mot. Donc je pense d'ailleurs que c'était mieux comme ça, plutôt que de devoir après gâcher le personnage avec une voix qui ne va pas. Vraiment avoir gardé le personnage qui ne dit pas un mot de toute la série, c'est génial. Et en plus, ça lui... c'est son style, quoi, c'est sa personnalité, ça lui confère une aura un peu particulière, quoi. Et c'est pareil même dans les films, elle ne dit pas un mot, elle a toujours ses lunettes de soleil, elle a toujours son casque et tout. Voilà, et en plus son design, un poney blanc avec les cheveux bleus et clairs, bleu foncé, bleu plus clair justement, et c'est vraiment aussi super génial, elle a vraiment un super design, et donc voilà quoi, c'est un de mes poneys préférés. Voilà, et maintenant on passe au numéro 6, et celui-là, je pense que vous vous doutez un petit peu de qui il s'agit. Mais vois-tu ce que je vois, mon cher frangin? C'est toujours la même histoire. Des poneys au gosier sec, la langue pendante, et qui n'ont plus rien à boire. Les amis, quelle grande opportunité pour cette belle communauté. Voici Flim, voici Flam, nous sommes les premiers frères. Et ouais, évidemment, les frères Film et Flamme, vous m'en avez entendu parler dans ma réaction numéro 22-23 de la saison 8. Voilà, c'est vraiment super personnage de deux frères avec la petite moustache, escrocs tous les deux, qui jouent vraiment très bien le rôle. C'est vraiment de très bons personnages que j'aime beaucoup. Ils apparaissent toujours dans les saisons pères de My Little Pony, donc dans la saison 2, 4, 6, 8, et aussi dans le final de la saison 9. Et quasiment à chaque épisode, ils ont toujours une chanson qui à chaque fois est vraiment super géniale. Et en plus, ils apparaissent aussi plusieurs fois dans des épisodes hors-série, et ils ont aussi des doubles humains dans les Equestria Girls. En plus, l'épisode était vraiment pas mal, hein, regardez-le. Et c'est vraiment parmi les seuls qui ont des personnages secondaires qui ont des doubles humains. Même, je crois que même justement Dr. Hooves, lui, il n'a pas d'homologue humain dans les Equestria Girls. Un petit peu dommage d'ailleurs. Donc voilà, c'est de parfaits personnages mesquins qui avaient un semblant de rédemption et semblaient être devenus gentils dans la saison 6, mais qui au final sont restés méchants dans la saison 8. Et au final, franchement, c'est pas plus mal parce qu'ils sont beaucoup mieux en tant que méchants, mesquins, manipulateurs, tout ça. Et c'est vraiment un duo qui marche vraiment très bien et je les aime beaucoup. Pour le numéro 5, peut-être que vous vous en doutez un peu moins, mais il s'agit d'elle. Parce que faut quand même avouer que cette ponette féminine Indiana Jones, c'est quand même... elle est quand même vraiment géniale, quoi. Elle aussi, elle apparaît à peu près toutes les demi-saisons, quoi. Elle apparaît dans la saison 2, 4, 6 ou 7. 6 et 7, je crois, et 9 aussi. J'ai fait une réaction aux deux épisodes de la saison 9 et 7, vous pouvez les voir. Et elle est géniale, quoi. En fait, elle est juste classe, quoi. Cette planète Pégase, en mode Indiana Jones, aventureuse, elle est vraiment juste géniale, quoi. Elle est vraiment très bien. Et d'ailleurs, j'adore aussi l'idée d'Hasbro d'en faire un vrai personnage de la saison 4.
Puisque vous savez, dans la saison 2, c'était juste un personnage de roman, mais dans la saison 4, on apprend qu'elle existe pour de vrai, donc c'est vraiment génial, parce qu'après, on a eu plein de super épisodes avec elle. Vraiment, j'adore elle, j'adore tous les épisodes en mode Indiana Jones avec elle, c'est vraiment très bien, et c'est juste un super personnage, super classe, quoi, donc c'était vraiment une très bonne idée de Hasbro. J'espère qu'il y en aura d'autres, des personnages comme ça dans la G5, inspirés de vraies personnes comme la Indiana Jones ou Doctor Who. J'espère qu'il y en aura d'autres déponés comme ça, genre, je sais pas, moi, des personnages déponés inspirés de, je sais pas, de Merlin, de Roi Arthur, ou des Avengers, ou de Batman, Superman, je sais pas, des trucs comme ça, ça serait vraiment cool, ça serait vraiment très sympa. Et voilà, maintenant, numéro 4, et celui-là aussi, peut-être que vous vous en doutez un petit peu moins. La merveilleuse et puissante Trixie! L'extraordinaire et fabuleuse Trixie! La fabuleuse et magnifique Trixie! La sublime et talentueuse Trixie! La fantastique et incroyable Trixie! La grande et fabuleuse Trixie! La splendide et impitoyable Trixie! La grande et merveilleuse Trixie! La grande et merveilleuse Trixie! Je fais ce que je veux. Je suis fascinante, grande et éblouissante. Eh ben ouais. Parce que non, c'est pas un personnage principal, hein. On la voit une fois dans la saison 1, une fois dans la saison 3, puis après elle a une rédemption, même si elle était déjà supposée en avoir une dans la saison 6, avec Starlight, mais après ça devient pas un personnage principal, puisque on la voit pas si souvent que ça, et elle est toujours là seulement avec Starlight, donc c'est vraiment un personnage secondaire. Mais c'est encore une fois un super personnage secondaire, parce que, encore une fois, bah, comme Casse-Cou, c'est Dr. Hooves, bah, c'est un personnage inspiré bah, des magiciens, la Merlin, Nostradamus ou Grand Magicien d'Oz, ou justement elle, comme justement le Magicien d'Oz, elle dit tout le temps la grande et puissante Trixie. Un peu plus quand même, mais voilà, là aussi j'ai pas grand chose, pas vraiment d'autre chose à dire, hein. C'est, vous connaissez le personnage, vous connaissez sa personnalité, elle est vraiment géniale aussi, son design, robe bleue et cheveux gris argentés, ça passe très bien, Non, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, elle est juste vraiment très classe et juste géniale, quoi. À chacune de ses apparitions, ouais, l'épisode devient génial, donc voilà, quoi, numéro 4, voilà, simplement. Et là, à la troisième place, là, vous vous en doutez, puisqu'il s'agit évidemment... Voici qu'est arrivé l'heure de la vérité. Je dois tout bien analyser, l'humour doit se ciseler. Ciseler ? Je dois trouver quelque chose d'amusant, comme un jeu de mots. C'était simple comme bonjour, je crois que j'ai compris. Je n'arrivais plus à rire, mais en moi c'était enfoui. Les fleurs qui lancent de l'eau sont chouettes, comme c'est pour les salopettes. Suivez-le, c'est le roi de la fête. Et ouais, le deuxième personnage le plus sous-exploité de My Little Pony, après Moon Dancer, parce que lui quand même, on l'a vu que deux épisodes dans toute la série. Hein. Et on l'a aussi mentionné une fois, Pinkie Pie l'a mentionné une fois dans un épisode de je sais plus quel épisode en fait. Même dans la série, Castle Rangers, il n'a pas d'homologue humain. C'est vraiment dommage, quoi, parce que il est vraiment super génial, quoi. Vraiment le Pinkie Pie masculin avec toutes ces chansons qui sont toutes géniales. Enfin, j'ai fait une réaction à l'épisode 9 où il apparaît et c'est vraiment génial, quoi, c'est du pur bonheur, et vraiment, je les avais toujours un petit peu chippés ensemble avec Pinkie Pie, mais vraiment qu'au final ils sont ensemble et qu'ils aient un enfant à la fin de la saison 9, c'est totalement inattendu, mais c'est vraiment génial, j'aime beaucoup. Et voilà, juste personnage fantasque, chanson géniale, c'est l'épisode de lui avec, les deux épisodes de lui avec Pinkie Pie, ils sont vraiment géniaux, c'est très bien, donc voilà, quoi, juste un personnage génial, qu'on voit que deux fois quand même, c'est dommage, c'est décevant, mais voilà, c'était vraiment deux très bons épisodes, et voilà, quoi. Il est juste très bien, voilà, j'ai plus les mots. Et pour le numéro 2, celle-là, je n'en ai pas beaucoup parlé. Ça aussi, c'est une chose qu'au fond, les amis, je pourrais m'y habituer. C'est une sorte de truc d'amitié bizarre que font les poneys, non ? Et oui, Ambre, Seigneur des Dragons, parce que
Et bien parce que bah elle est fantastique quoi, c'est vraiment le meilleur personnage de dragon qu'on a dans la série. Non parce que quand même il n'y a pas photo comparé à Spike, c'est désolé Spike mais Amber elle est encore plus géniale quoi. Et c'est aussi bah c'est une dragonne quoi. Comme avec Smulder, et bah c'est, bah en fait c'est les deux seuls dragons qu'on connaît. Hein. Tous les autres c'est que des dragons mâles qui sont. En plus tous les dragons dans My Little Pony sont vraiment super moches, ils ont des têtes comme ça. Enfin vous voyez quoi. Et elles vraiment c'est bah déjà elles sont belles et puis elles sont géniales quoi. Et puis Amber, elle est encore plus géniale quoi. C'est en plus tout ça ajouté avec la très bonne voix de Elsa Poisson. Je parle tout le temps d'elle dans mes vidéos, mais. Voilà quoi, elle est géniale quoi. Dans l'épisode où elle apparaît, dans l'épisode 6, avec sur justement le concours pour devenir l'enseignante des dragons, c'est épisode génial aussi et introduction géniale de personnage. Et elle aussi, on la voit plus souvent quand même, mais quand même, j'aurais aimé qu'on la voit un petit peu plus quoi. On l'a vu dans la saison 8, dans les deux premiers épisodes du début, et on la voit aussi à la fin de l'épisode 9 dans la bataille finale, si je m'en souviens bien. Mais après, dans la saison 9, on la voit pas beaucoup. C'est un petit peu dommage quand même qu'on ne la voit pas plus que ça, parce que elle est juste géniale quoi. Et puis son design bleu comme ça avec les ailes, c'est vraiment génial. Sans compter aussi que sa personnalité, bah, ça change un petit peu des autres personnalités de filles dans la série quoi. Parce que dans la série, quasiment toutes les filles ce sont des poneys quoi, et donc elle c'est une dragonne et bah c'est une fille, mais elle a une personnalité de dragon quoi, qui est vraiment très sympa à mettre sa personnalité de dragon en parallèle avec celle des poneys, avec Spike aussi. L'épisode de la saison 7 auquel j'ai réagi évidemment, et il est très sympa quand même malgré tout, parce que c'est un personnage très sympa avec une personnalité très sympa et juste qui elle aussi est très classe, elle est géniale, et encore une fois c'est dommage qu'on la voit pas plus que ça. Parce que, enfin, on la voit beaucoup quand même, mais quand même avec un personnage aussi génial, on aurait pu faire plein de trucs encore plus géniaux, quoi. Mais non, voilà, c'est vraiment un personnage de My Little Pony que j'adore, que j'aime beaucoup, et même moi, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi haut, numéro 2 de ce classement, mais voilà, quoi. Parce que oui, le numéro 1, c'est quand même un peu particulier, parce que c'est plusieurs personnages, comme avec Flim Flam, c'est un groupe. Parce que c'est mes personnages préférés, mais ils sont pas dans la série télévisée de My Little Pony, ils sont dans les films Equestria Girls. Et peut-être que vous avez deviné, parce que bah c'est elle. Et ouais, les Dazzlings. Et elles, pour le coup, je peux pas vraiment me plaindre qu'elles ont pas eu beaucoup d'attention dans la série, parce que elles ont quand même eu tout le film Rainbow Rocks, où elles sont les méchantes principales, et où elles sont quand même les meilleures méchantes des films Equestria Girls, et parmi les meilleures méchantes de My Little Pony tout court. Ce qui est génial avec ce trio, bah déjà, c'est leurs chansons, hein, elles ont que 3 chansons dans le film, enfin 4 avec, évidemment, l'épisode hors-série spéciale, mais qui sont vraiment toutes juste incroyables, quoi. C'est vraiment aussi des chansons que beaucoup de Brownies aiment. Donc en plus d'avoir des chansons absolument extraordinaires, elles ont aussi, elles ont juste la classe quoi, elles sont enfin je veux dire, leur démarche, leurs habits, comment elles avancent et tout, comment elles avancent en groupe, elles sont vraiment trop trop classe. Et en plus elles sont vraiment géniales, toutes leurs interactions qu'elles ont dans le film Rainbow Rocks avec Adagio qui a juste son énorme crinière qui est la chef, qui s'énerve tout le temps, Aria qui est tout le temps blasée aussi, et Sonata aussi sur laquelle tout le monde a craqué dans le fandom, et c'est vraiment, bah, elles ont toutes leur personnalité propre et elles ont toutes leurs interactions aussi à chaque fois dans les films, sont vraiment hyper marrantes et hyper géniales à voir quoi. Donc voilà, c'est vraiment un super groupe de My Little Pony, et elles sont géniales quoi, c'est juste ce qui est dommage, c'est qu'on les voit pas en poney quoi. Parce que c'est des sirènes, et on voit aussi dans la saison 7 que c'est des sirènes, mais quand même elles auraient été sympas en poney. Ponette. Voilà, on dit ponette pour les filles, voilà. Bah voilà, hein. Les Dazzlings, groupe de filles super classe, avec des super chansons, pas beaucoup, mais qui sont juste géniales en elles-mêmes et qu'on va pas oublier, quoi. Et donc, bah,
Voilà quoi, c'est vraiment mes personnages secondaires préférés de My Little Pony. C'est juste pour ça, je regarde presque très très souvent l'épisode, enfin le film Rainbow Rocks tout le temps. Je regarde vraiment très très souvent parce que bah elles sont dedans quoi, elles sont géniales quoi. Et donc c'est pour ça que j'étais vraiment content, j'ai été ravi de les voir dans l'épisode spécial des Casa Girls, de les revoir parce que vraiment elles sont juste géniales quoi. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo. Et dites-moi aussi, vous, quels sont vos personnages secondaires préférés de My Little Pony. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos des 5 ans de la chaîne. Qui cette fois-ci seront sur le pire de My Little Pony. Voilà. Merci à vous. Salut.